En ce début d'année scolaire, Zora Kassa, la directrice de la coopération internationale de l'ANBG, fait le point de la préparation du départ des nouveaux bacheliers boursiers vers le Maroc. Et cette année 2024-2025, à l'ANBG, nous avons pour mission de développer la proximité avec les étudiants et également avec les parents. Et donc aujourd'hui, c'était une séance d'harmonisation sur des informations qui accompagnent nos étudiants qui se préparent pour aller au Maroc et certains au niveau de la France également. Et donc c'était un réel plaisir pour nous de voir autant d'engouement, de voir des parents motivés à accompagner leurs enfants, déterminés, des étudiants également qui comprennent la vision de l'ANBG, les motivations qui sont derrière la vision également du chef de l'État. Et donc nous faisons un plaisir en tant que direction de l'ANBG pour rester au plus proche des étudiants, de nos apprenants, afin que leurs études puissent profiter pour le développement du Gabon. L'échange aura permis aux jeunes de faire part de leurs préoccupations. Entre les éléments constitutifs de leur dossier scolaire, la recherche d'un logement et l'accompagnement de l'État, tout est passé au peigne fin. C'est surtout au niveau de logement, au niveau de la prise en charge, que ce soit sur le plan scolaire que sur le plan social. Et les réponses ont été claires. Parce que les enfants, quand ils vont à l'étranger, ils sont dépaysés. Mais compte tenu du rapport qu'il y a entre l'État gabonais et un organisme qui s'occupe de ça, vraiment, je suis très ravi. Cette réunion a été importante pour moi parce qu'il y avait certaines choses, notamment sur le logement, sur l'inscription et surtout sur la prise en charge qui me perturbaient. Et lorsque je suis venu ici, j'ai été mieux édifié et vraiment, je suis ravi. Le nouveau style de management des étudiants gabonais formés à l'étranger conduit la directrice de la coopération internationale à prendre attache avec les étudiants au départ et à l'arrivée dans les pays d'études pour s'assurer de leur confort.